Et salut à tous, c'est Bubu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette troisième vidéo sur PES 2020 avec la Ligue des Masters, avec le PSG. Et là, c'est la conférence de presse avant le match de Ligue des Champions contre le Celtic Glasgow. Et j'ai une première question. Le premier match du groupe de la mort a-t-il une importance particulière? Alors, nous allons gagner, ce n'est qu'un match, on ne peut pas perdre. Allez, on ne peut pas perdre. Oui, ce n'est pas un secret, le tirage ne nous a pas épargné, une petite faute, on ne va pas tirer de plan sur la comète, il faudra surtout être solide, personne ne veut d'une défaite au premier match, et c'est vrai. Alors, petite précision pour le match que vous n'avez pas vu, j'ai fait un match nul avec Montpellier, 1-1, ça a été un match assez compliqué, avec une équipe bis que j'avais alignée, en fait, avec notamment donc Cavani, et j'avais gardé Navas quand même. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple, du tout. Du tout, du tout. Alors, j'espère que ce match-ci sera un petit peu mieux. J'ai pris mon équipe type. Et donc, on se retrouve donc pour le premier match de Ligue des Champions contre le Celtic Glasgow. Allez, c'est parti pour ce premier match en Ligue des Champions. On joue contre le Celtic Glasgow dans un superbe Celtic Park qui est absolument magnifique. J'adore cette ambiance-là de un petit peu avec le nuage, le brouillard un petit peu. Là, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout, avec un bel éclairage. C'est une très belle équipe, hein, le Celtic Glasgow. Champion d'Écosse, évidemment. Et donc, je pense qu'il y aura du niveau. On va voir. Hein. De toute façon, il faut bien débuter pour ensuite enchaîner les points et assurer un petit peu la qualification. On sait qu'il y a City en groupe. Hein. City, c'est quand même une très très grosse équipe. Donc, on va dire que Celtic, c'est quand même une équipe un petit peu en dessous de City. Donc, on devrait normalement essayer d'engranger les points pour ce match. En tout cas, voilà, les joueurs sont prêts. Vous voyez, j'ai aligné mon équipe type avec Neymar notamment, Mbappé, Di Maria, et j'espère qu'ils seront absolument au niveau. Ce sera mieux que le match d'avant, puisqu'il n'était pas génial, hein, le 1-1 contre Montpellier. Et donc, belle équipe là de Celtic, hein, je ne connais pas forcément beaucoup cette équipe, mais elle a un très beau passé européen, donc on peut imaginer quand même que s'ils sont là, c'est une bonne équipe. Donc, à voir en tout cas ce qui va se passer. Allez, moi c'est la belle équipe. Allez, on fonce direct dans l'action, on va pas attendre, et c'est parti. Allez, il donne le coup d'envoi. On va essayer de les laisser un petit peu. Voilà, on voit déjà qu'ils jouent en long passe. Hein, ça. C'est d'ores déjà l'une de leurs caractéristiques. C'est une équipe très efficace, hein, le Celtic. Je ne pense pas qu'il leur faut beaucoup d'occasions pour marquer. Allez, on va essayer de se débrouiller aussi. Oh, le tir de Neymar! Le tir de Neymar! Magnifique, magnifique. On a fait une première action assez offensive, assez bien menée. Là, c'est dommage que ça ait été un petit peu trop long. Du coup, on a dû remettre sur le côté. Et puis là, le tir, je pense pas qu'il y ait d'autres solutions, on va dire, idéales pour la situation dans laquelle on était. Allez, on va essayer de faire une petite tête, non? Meunier, encore lui, qui va reprendre peut-être. On va essayer de la passer derrière. Allez, Marquinhos qui récupère la balle, on est à l'attaque, clairement. Verratti qui passe sur le côté pour Di Maria, qui a tenté la petite roulette, mais ça n'a pas fonctionné. Récupération du coup du Celtic Glasgow. Allez, on récupère la balle, on va essayer de la faire tourner un petit peu, là ça fait 14 minutes qu'on joue. Meunier pour Gueye, Marquinhos, on reste au milieu de terrain, Verratti, on essaie de voir un petit peu les différents appels. Allez, sur le côté, Bernat qui va essayer de déborder, non, Bernat qui revient, Marquinhos qui donne à Gueye, on essaie de dégager un petit peu, alors que là, j'avais une petite ouverture, mais je n'en ai pas profité malheureusement. C'est Mbappé qui a perdu la balle. Est-ce qu'il va la récupérer? Oui. En tout cas, il la touche. Allez, on se bat jusqu'au bout. Neymar qui vient au contact. Allez, un ballon qui est contré. Est-ce que ça sera en notre faveur? Non, malheureusement. Bernat sur le côté, assez costaud. Allez, Bernat qui récupère cette balle ou pas? Eh bien non, non, non. Petit tour de magie de la part du joueur. Ah, j'aime pas ça. Et souvent, il y a des ballons qui sont donnés comme ça, et c'est pas très bon, ça.
Alors que le Celtic commence un petit peu à imprimer son... Allez, on se bat, on se bat. Voilà, là, il y a une faute, par exemple. Pour moi, non, il n'y a pas faute. Je suis désolé. Pas plus que là. Alors que là, vous l'avez vu. Bon, si je l'ai vu, Mbappé, Mbappé qui part sur le côté. Mbappé qui se retrouve tout seul. Mbappé, qu'est-ce qu'il va faire, Mbappé? Oh là. Non, je peux pas le rater, ce but. Je peux pas le rater, ce but. Ah non, 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 non. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Je pouvais pas le rater, ce but. Là, j'ai trop tergiversé. Là, j'ai voulu la placer un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va coûter cher, ça. Ça va coûter cher. Il faut vraiment pas que... qu'on termine sur un mauvais résultat. Parce que là, je vais vraiment le regretter, ce but. Je pense qu'il va me coûter très cher. Allez, on va essayer de réparer la situation. Et là, c'est reparti. Mbappé qui se retrouve encore en position. Qui passe à Neymar. Neymar. Neymar pour Mbappé. Sur le côté, non, pour Meunier, pardon. Allez, on essaie... Oh là là, c'était quoi ce tir? C'était quoi ce tir? C'était vraiment pourri. Est-ce que ça a été contré? Est-ce que ça a été contré? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit... Bah, je sais pas trop ce que j'ai fait, en fait. J'ai tiré. Oui, non, j'ai pas l'impression que ça n'a pas été touché, ça. Bon. Bon, écoutez, oui, visiblement, oui. En tout cas, le tir n'était clairement pas bon. Ça, c'est... Je peux en attester, il n'y a pas de souci. Allez, Meunier qui récupère, qui passe à Verratti. Verratti qui ne fait jamais, mais qui va tenter de tirer. Et la balle est contrée. Ça arrive des fois, hein, que ça arrive, que ça fasse un but sur des occasions comme celle-là. On va essayer de revoir ça. Verratti qui va récupérer la balle. Et puis qui va tirer. Et là, c'est contré. Et ça part en corner. Allez, on passe de l'autre côté. Et j'ai encore l'action d'avant en tête. Hein. Cette fois-ci, c'est Neymar. Neymar qui la donne. Verratti encore qui se retrouve là-bas. Est-ce qu'on récupère la balle? Oui, normalement. Allez, on va la passer tout de suite à Gay. Gay. Marquinhos. Marquinhos qui a du champ. Marquinhos qui va tirer. Marquinhos qui tire. Et non. Nous sommes à la mi-temps. Ça passe très, très vite. La possession est largement en notre faveur. Hein. 58%. Mais pas de but. Pas de but, tout simplement. On a raté l'occasion. Alors là, c'est vrai que c'est le match à l'extérieur. Donc, on va dire que c'est pas très grave si on ne... Si on ne met pas de but, mais bon, quand même, si on manquait ça, on est mal, quoi. Donc, non, 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 là, il faut gagner, il faut gagner, il n'y a pas d'autre choix. Pour moi, il faut gagner. Allez, Mbappé qui a l'occasion de se racheter. Mbappé, oui, le but de Mbappé, le but de Kylian Mbappé. Et oui, c'est lui qui marque tous les buts, tout simplement, hein, voilà, sur les... Combien de buts j'ai marqué, voilà, ça fait combien? 2, 3, ça fait peut-être 5 buts déjà de Mbappé, non, il me semble, hein. Il me semble. Alors, le match d'avant, il n'a pas joué, c'était... J'avais mis Cavani titulaire, en fait, en pointe, donc Cavani avait marqué, mais là, c'est Mbappé qui, une fois de plus, nous régale avec un beau petit tir, tranquille, plat du pied, bien placé, voilà. Il se rachète un petit peu de l'occasion de tout à l'heure qui, franchement, était immanquable et que j'ai manqué quand même. Eh oui. Allez, on va essayer d'enfoncer le clou. Là, si on gagne ce match, c'est pas mal du tout. C'est quand même un bel adversaire. Et puis, il y a évidemment les matchs retour. Mais il faut vraiment penser à... Oula, oula. Alors, quand j'arrête de parler, c'est vraiment que c'est chaud. Hein. C'est vraiment, je me concentre sur le jeu. Il faut vraiment penser, donc, je disais, au match contre City, qui risque d'être assez chaud. Et là, j'ai fait une passe un petit peu bizarre, mais c'est passé quand même. Je suis content. Ah, il faut vraiment que je m'améliore sur ces passes-là, qui sont vraiment trop hasardeuses. Ouh là 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 là. On va revoir ça, mais... Non, on va pas le revoir, parce qu'il y a un changement, mais c'était quand même chaud, hein. C'était quand même chaud. Ah, vous l'avez vu, je fais pas beaucoup... Ouh là. Je ne fais pas beaucoup de changements, je devrais, mais c'est vrai que ça m'embête d'arrêter l'action, en fait. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, on va essayer de profiter de cette petite phase pour lancer Mbappé. Mbappé qui va lancer. Ah non, Di Maria, mais là, je me suis précipité un petit peu. J'aurais peut-être dû faire une feinte supplémentaire avec Mbappé. Ouais. Clairement. Allez, on va pas lâcher la pression là. Hein. Voilà, on perd la balle tout simplement. Encore une fois. Beaucoup, 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 beaucoup de pertes de balles. Et le but! Et le but du Celtic! Et le but du Celtic! J'encaisse énormément de buts. J'encaisse un but par match. C'est beaucoup trop. C'est pas bon du tout.
Alors là, le résultat nous est quand même un petit peu favorable, on va dire, parce que c'est le match à l'extérieur. Mais non, ça ne doit pas se faire comme ça, ça. Je crois que c'est leur première occasion nette, en tout cas. Hein. Et puis là, je pense qu'ils vont mettre un petit peu la pression. Ah ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas être satisfait de ce match. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh là là, il me fait la misère, là. Il me fait la misère. Aïe. Allez, on se rattrape. Regardez ce que j'adore dans PES. Regardez l'action que je viens de faire. Avec le bras qui s'est posé sur le sol, là. Je sais pas, c'est tout con. Mais j'adore ça. J'adore ça. PES me régale avec ces mouvements-là. Et ça, je le retrouve pas dans un FIFA. Voilà, tout simplement. Le joueur, il a pris appui sur le sol pour pouvoir changer de direction. Je trouve ça génial. C'est tout con, mais c'est génial. Alors que là, je suis clairement traîné dans la boue par cette équipe de Celtic. Regardez les passes qu'ils font. Je pense qu'en termes de possession, ils ont dû reprendre un petit peu la main. Et là, je vais essayer de faire une passe, mais ça passe pas, malheureusement. Allez, on baisse pas les bras. Il reste encore 10 minutes. On va essayer de mettre ce petit but de la victoire. Et c'est là que je vais regretter vraiment l'occasion de la première période, hein, tout simplement. Hein. Allez, ils perdent la balle pour une fois. Petite erreur de leur part. On va essayer d'en profiter. Est-ce qu'il y a une petite baisse de régime de leur côté? A voir. C'est possible. Hein. Alors que là, il y a eu une faute de la part. Non! C'est quoi ce tir? Mais c'est quoi ce tir? Mais c'est quoi ce vieux tir? Oh non, c'est pas possible. Non, je suis pas satisfait du tout. Non, je suis pas du tout satisfait. Regardez-moi ce tir. Ah non, on peut pas tirer comme ça, on s'appelle Di Maria. Et puis là, ça commence à devenir un petit peu chaud, là. Hein. On se met à la 86e minute, on s'achemine vers un match nul. Eh oui, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que là, on est en perte de confiance, clairement. Là, contre Montpellier, c'était match nul. Nous sommes qu'en début de saison, donc on peut pas trop se permettre ce genre de choses. Allez, dernière occasion, nous sommes à la 90e minute. Oh là là, j'ai essayé, mais je me suis un petit peu embrouillé, je vous avoue. Je sais pas si vous avez entendu les touches, mais ça n'a pas été simple pour moi. Allez! Non, c'est pas possible! Non, je me suis éloigné du micro, mais j'ai crié trop fort. Je suis désolé, mais là, c'est pas possible. Ah non, c'était trop chaud jusqu'au bout. Jusqu'au bout, 1-1, résultat final avec cette action qui me restera au travers de la gorge en première période. Oui, c'était pas simple. Bon, écoutez, voilà, un match nul. On avait la possession de balle, on a fait 5 tirs cadrés quand même sur 10 tentés. Malheureusement, 1-1, et c'est quand même mérité de la part du Celtic, on peut le dire quand même. Hein. Alors, au joueur du match, c'est un joueur du Celtic, et ça, c'est un petit peu logique. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas donc à liker la vidéo et à vous abonner. À regarder évidemment les vidéos d'avant, hein, avec déjà 2 ou 3 résultats. Et puis on continuera donc le prochain match qui sera contre l'Olympique Lyonnais. Je vous dis à bientôt, ciao. Hey, vous êtes encore là et ça c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine.